ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit, on appelle ça un hadith Qudsi. Un hadith Qudsi, le sens et la parole vient d'Allah. Sauf qu'il se différencie du Coran par quelques différences. Du fait que on ne le récite pas dans la salat, bien que c'est la parole d'Allah aussi. Aussi, on vérifie ces chaînes de transmission. Car parmi les hadiths Qudsiyya, il y a des hadiths authentiques, d'autres faibles. Le Coran, il a été appris par cœur et rapporté d'un groupe énorme à un autre groupe énorme à un autre groupe énorme. Donc il n'y a pas besoin de vérifier de chaînes de transmission. Dans le hadith, on vérifie. Et d'autres différences que les savants ont citées. La différence entre le hadith Qudsi et le hadith Nabawi, c'est qu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens où c'est lui qui parle. Bien que c'est une révélation qui vient de la part d'Allah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. Sauf que c'est lui qui le dit. Il dit pas Allah a dit. Ou bien, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah ta'ala lui a ordonné, donc c'est sa mission et son devoir, d'expliquer et de détailler le Coran. Donc parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam détaille et explique le Coran par d'autres versets du Coran. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne le reprend pas sur cela, c'est une révélation aussi. C'est-à-dire qu'Allah là, il a approuvé, c'est une approbation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran ou bien même d'une chose qu'il a dite ou qu'il a encouragée ou interdite. Donc c'est aussi de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, c'est lui qui a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer le Coran et de transmettre aux gens. Donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au final, c'est une révélation. Sauf qu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam car c'est lui qui le dit. Ou bien directement et Allah l'approuve, ou bien une révélation qui lui vient de la part d'Allah et il répète. Dans les deux cas, c'est une révélation. Sauf bien sûr, dans les choses ne concernant pas des ordres religieux. Il n'y a pas un ordre dedans, ni une interdiction. C'est un avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on passe par ce chemin ou par ce chemin? Par exemple, la bataille des tranchées. Pourquoi il avait dit une chose et Salman al-Farisi lui a proposé les tranchées? Il lui a demandé, est-ce que c'est un avis ou est-ce que c'est une révélation? Donc il a demandé avant de parler. Il a dit, non, c'est un avis, on se met à tel endroit. Alors Salman al-Farisi lui a dit, nous, en Perse, quand on fait des guerres comme ça, on est encerclé, on fait des tranchées. Il lui a donné l'idée des tranchées. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal a dit, quiconque prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare la guerre. Rien ne rapproche plus mon serviteur de moi que l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, si je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il perçoit, sa main par laquelle il prend et ses pieds avec lesquels il marche. S'il m'adresse une demande, je l'exaucerai et s'il recherche refuge auprès de moi, je le protégerai. Jamais je ne suis plus hésitant que lorsque je dois rappeler l'âme du croyant à moi. En effet, il déteste l'idée de mourir comme je déteste celle de le contrarier. Cependant, la mort est inévitable. Tiens. Donc, ce hadith, il parle des bien-aimés d'Allah. Comme c'est connu chez les gens, Al-Wali, Al-Awliya. Dans notre croyance, la croyance des gens de la Sunna et du consensus, nous croyons qu'il y a des gens qui sont des bien-aimés d'Allah. Car ceci est cité dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit, Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Par contre, nous nous différencions des différentes sectes qui exagèrent sur les gens pieux. Comment nous nous différencions d'eux? Premièrement,
on ne leur attribue pas des caractéristiques ou des qualités qui ne leur sont pas propres, pas prouvées par le Coran et la Sunna. Ça, c'est un. Deux, on se différencie dans la définition aussi du wali. Qui est le wali? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il explique qui est le wali. Les croyants qui ont la taqwa. Et ce hadith, il vient appuyer cette compréhension de qui est le wali. Qui est le bien-aimé d'Allah. Tout croyant pieux, tout bon croyant pieux, craint Allah et un wali. Alors que chez les sectes égarées, le wali, c'est celui qui a pris un acte d'allégeance auprès de son cher soufi, qui prétend voir des choses de l'invisible, qui se permet de délaisser certaines obligations parce qu'il a atteint un certain niveau où il n'a plus besoin de faire la salat ni rien, qui quand il fait des péchés graves, il les interprète, non ça c'est spécial pour lui, lui il a le droit, etc. Au point où il le prenne en adoration en dehors d'Allah. Et il lui attribue des caractéristiques qui sont propres à Allah. Puis après, ils le prennent en adoration en dehors d'Allah après sa mort. Ça, c'est du shirk. Ça, c'est contre la base de l'islam. Mais accepter qu'il y a des gens qui sont des bien-aimés d'Allah et que quand ils invoquent Allah, Allah accepte leur dua, oui, ça c'est dit dans le Coran et la Sunna. On croit en ça. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut, s'il veut, quand il veut, pour une sagesse qu'il voit, décider qu'il donne un miracle pour un de ses bien-aimés, Allah, tabarak wa ta'ala, peut le faire. C'est déjà arrivé et ça peut arriver. Mais il y a une différence entre les miracles des prophètes et des envoyés et les miracles des hommes pieux. Très grande différence. Premièrement, le miracle des prophètes et des envoyés, il est fait pour être répandu, connu des gens, pour prouver la véracité de leur prophétie. Alors que le miracle qu'Allah Ta'ala donne à un de ses bien-aimés, c'est spécifique entre lui et son bien-aimé. Pour l'aider dans une situation spécifique. Et elle n'est pas faite pour être répandue, ni pour prouver quelque chose qui lui est propre à lui. Les miracles des prophètes et messagers, ça devait être public, visible, alors que les miracles pour les saints et pour les gens pieux, parfois ça peut être public dans certains cas. Par exemple, des ennemis qui veulent lui faire du mal, Allah l'a sauvé de ses ennemis par un miracle. C'est possible. Mais à la base, ce n'est pas fait pour être répandu, car ceci peut être une tentation après pour lui et une cause de sa perte. Car lui, il n'est pas préservé de l'égarement. Un prophète, il est préservé, choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala. Une autre différence, c'est que le degré de l'wilaya, ça reste un degré outre et en dessous du degré de nubuwa, de la prophétie. Alors que chez les sectes soufis, pour eux, certains walis ont un degré plus haut que des prophètes. Ah oui. Autre différence, pour certaines de ces sectes-là, la prophétie est un degré qu'on atteint, alors que pour les gens de la Sunna, la prophétie est un choix d'Allah. Quelqu'un, il peut pas, tiens, je fais des efforts, hop, je deviens pieux, hop, je deviens prophète. Non. Voici quelques différences, et dans les livres de croyance, tout ceci est bien détaillé, et alhamdulillah, bien expliqué. Donc le wali, dans le verset, il est expliqué en résumé, ici, il est expliqué en détail. Ceux qui ont la foi et la taqwa. C'est quoi la taqwa? C'est d'obéir aux ordres d'Allah. Selon une lumière provenant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en espérant la récompense d'Allah. Et délaisser ses interdits selon une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. En résumé, faire les obligations, délaisser les interdits. Et dans ce hadith, on voit que ceci est expliqué en détail. D'abord, Allah Ta'ala parle de qui sont ses awliya. Et il met en garde de faire du mal à ses bien-aimés. Et que celui qui fait du mal à un de ses bien-aimés, Allah lui déclare la guerre. Et que celui qu'Allah prend sous sa protection, ou en fait un de ses alliés, alors il est préservé et il est sûr de gagner. D'où la gravité de faire du mal à un musulman. Car tu ne sais pas parmi ces musulmans, qui est un bien-aimé d'Allah. Il y a des gens qui sont bien-aimés par Allah du fait qu'il est bon envers sa mère. Il a fait une action, par cette action il a gagné l'agrément d'Allah. Caché que personne ne connaît. Toi, tu le vois comme ça, un musulman simple parmi les musulmans. Auprès d'Allah, il a une grande valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ça. Peut-être que vous voyez quelqu'un qui a les cheveux en bataille, plein de poussière, s'il jurait qu'Allah va faire une chose, Allah, il la ferait. C'est-à-dire qu'Allah, il accepte ses doigts. Quand il demande, Allah, il lui donne. Parce qu'il est véridique, sincère avec Allah.
Donc la gravité de faire du mal aux musulmans en général. Car tu sais pas, parmi ces musulmans-là, déjà, la gravité de faire du mal et de l'injustice à quiconque. Car Allah, il a interdit l'injustice. Même envers les insectes, les animaux, alors qu'allons-nous dire des êtres humains? À savoir que Allah, il accepte la dua d'un opprimé, même s'il est mécréant. Si quelqu'un subit une oppression, une injustice, et il invoque Allah, Allah, il accepte son invocation, même s'il est mécréant, comme il est venu dans le hadith sahih. Alors, qu'allons-nous dire de faire du mal aux personnes qui font paraître la piété, qui sont des gens dans la science, qui sont des gens dans la da'wa, ou les savants, ceux qui se permettent de parler sur les savants? Je crois qu'ils cherchent la meilleure manière de perdre le chemin le plus court pour aller en enfer. Comme Ibn Asakir, il a dit, la chair des savants est empoisonnée. Et la tradition d'Allah concernant ceux qui les rabaissent est bien connue. Car on sait très bien que parler sur quelqu'un, c'est comme manger sa chair. Alors que dites-vous pour quelqu'un qui fait de la médisance sur les savants? Il dit un mithal en arabe, il dit, en français, bon, c'est pas tout à fait ça, mais pour imager, c'est comme si on disait, il reconnaît pas la différence entre son pied et sa main. Et il vient, il va parler des savants. C'est un ignorant de première, il connaît rien. Et il vient, il se mêle d'affaires qui le dépassent à des milliers d'années-lumière. Ça, subhanallah, c'est le malheur de cette époque où tout le monde a un avis sur tout. Que la personne, elle se questionne, qu'elle ait un esprit critique pour chercher la vérité, bien sûr, ça c'est demandé. Mais elle n'est pas obligée de parler. Elle peut se questionner, en profiter pour aller questionner des gens qui vont pouvoir lui donner des réponses. Utiliser ce qu'Allah lui a donné comme raison pour suivre la vérité. Oui, c'est normal, tout le monde doit faire ça. Comme ça qu'on cherche la vérité, quand on est objectif. Mais tu n'es pas obligé d'en parler, de donner ton avis sur tout, de polémiquer. C'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. Ou bien la personne, elle demande aux gens inaptes. Ah, c'est quoi votre avis? C'est pas comme ça que ça marche. La vérité, elle ne se reconnaît pas à la majorité. Non. Donc, on voit dans cela que les bien-aimés d'Allah, Allah les aime et les protège. Et que celui qui se permet de lui faire quelconque mal, Allah lui déclare la guerre. Par la suite, Allah Ta'ala, il décrit les caractéristiques complètes des bien-aimés d'Allah. Il s'agit tout d'abord de ceux qui se rapprochent d'Allah en accomplissant tout d'abord tous les actes obligatoires de manière la plus complète possible, tels que la salat, le jeûne, la zakat, le hajj, conseiller le bien, déconseiller le blâmable, lutter dans le sentier d'Allah, remplir ses devoirs envers Allah, envers ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est-à-dire ses créatures, que ce soit les parents, les proches, les gens à notre charge, les voisins, les amis, la famille, les collègues, les gens qu'on rencontre, les gens dans la rue. Tous les droits vis-à-vis des créatures d'Allah. Il se rapproche d'Allah par les obligations tout d'abord. Les droits, les devoirs. Et après cette première étape, il s'attache à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais des actes surérogatoires. Il n'y a pas un acte obligatoire en islam tant qu'Allah n'ait institué des pratiques surérogatoires du même type, de la même famille, de la même catégorie. Et cela permet de combler les manquements qu'il y a pu avoir dans les obligations et de renforcer ces obligations-là. Et il y a une grande récompense et un très grand bien qui sont associés à ces œuvres surérogatoires. Donc on voit deux choses. Première chose, la priorité des obligations avant les œuvres surérogatoires. Les deux sont du bien, mais tu ne vas pas délaisser une obligation pour aller faire une œuvre surérogatoire. Et souvent, on trouve des gens donner une grande importance à certaines œuvres surérogatoires et ils sont très négligents dans beaucoup d'œuvres obligatoires. Il y a un problème de connaître les vraies priorités de cette personne. Donc, auprès d'Allah, ni l'homme ni la femme sont meilleurs. Le plus pieux, c'est le meilleur. Vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de son degré ou de sa place auprès d'Allah, c'est lié à la piété. Ni aux origines, ou à la race, ou à la couleur de peau, ni au sexe, ni à l'origine sociale, ni au bien qu'il a, ni à rien de toutes ces considérations. La seule considération qui est prise en compte, c'est la piété. Donc, quand ces personnes-là font les obligations et les œuvres surérogatoires, eux, ils ont aimé Allah, ils ont fait les actes aimés par Allah, alors Allah les a aimés. Et quand Allah les aime, il leur facilite toutes les voies et toutes les choses menant à sa satisfaction et à son bien. Et il les soutient et il les protège
dans tous les mouvements qu'ils font de leur vie. Quand ils entendent, c'est par son biais. Quand ils voient, quand ils s'assiedent, quand ils marchent, quoi qu'ils fassent, c'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, ici, ne pas comprendre le hadith d'une manière erronée. Comme les gens qui disent qu'Allah s'incarne dans l'homme. Quand il dit « je suis l'œil avec lequel il voit », ça ne veut pas dire c'est Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de son trône, séparé de sa créature. Le créateur ne se mélange pas avec sa créature. Car ici, le hadith, il est bien clair. Quand on le lit jusqu'à la fin, il montre que Allah ta'ala le soutient dans tout ce qu'il fait. Quand il l'invoque, Allah lui donne. Et quand il demande protection, Allah le protège. Donc, en plus de l'orienter dans tous ses mouvements, Allah ta'ala, il exauce aussi toutes leurs invocations. Lorsqu'il lui demande quoi que ce soit, il leur accorde tout ce qui est dans leur intérêt religieux et temporel. Parfois, Allah ta'ala ne leur accorde pas pour leur bien, pour leur donner mieux, pour les préserver d'un mal ou autre. Et lorsqu'ils cherchent refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les choses nuisibles, Allah ta'ala les protège. Et en plus, Allah ta'ala, il se montre doux et indulgent envers eux dans toutes les situations. Et s'il n'avait pas décrété que la mort devait toucher toutes ses créatures et tous ses serviteurs, alors les alliés d'Allah en auraient été épargnés. Car Allah ta'ala, il aurait aimé ne pas leur nuire par cela, du fait qu'ils détestent cela. C'est pas le fait de détester la mort dans le sens détester la rencontre d'Allah, au contraire. Mais c'est une situation effrayante. Pour leur éviter cette frayeur. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas contrarier ses bien-aimés et ses alliés. Jusqu'au point où il dit ici dans ce hadith Qudusi, si je n'avais pas décrété la mort pour tous mes serviteurs, il n'y a pas une chose que j'aurais pu plus que de les contrarier quant au moment où ils doivent mourir. Subhanallah. Donc ça montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens et va leur faciliter les situations pour qu'ils ne se retrouvent pas devant une chose qui peut les contrarier ou leur faire du mal. Mais le décret d'Allah, il est inéluctable. Allah a écrit la mort à toutes les créatures. Si la mort ne devait pas nous toucher, alors elle n'aurait pas touché celui qui est meilleur que nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est bien mort, sallallahu alayhi wa sallam. On voit qu'Allah aide ses alliés, il les soutient, il est avec eux. Ça ne veut pas dire par là qu'ils ne vont pas avoir des preuves. On voit bien que les prophètes et les messagers sont les plus proches d'Allah, pourtant ce sont ceux qui ont été le plus éprouvés, n'est-ce pas? Donc cette épreuve-là, dans les choses matérielles, ou dans la vie, ou dans la santé, ce n'est que pour les élever en degré, et pour une sagesse qu'Allah Ta'ala connaît, pour établir la preuve sur les ennemis d'Allah, pour que ce soit une cause d'établir la réalité et la vérité, et pour qu'ils soient en même temps un exemple pour ceux qui vont les suivre, et d'autres sagesses. Et si il n'y avait pas d'épreuves et de difficultés dans ce monde-là, personne n'aimerait partir, espérer le paradis. Déjà, avec cette vie remplie de malheurs et de difficultés et de fatigue, malgré ça, on y est tellement attaché, on l'aime tellement. Alors imaginez-vous qu'il n'y ait pas de fatigue, pas de malheur, rien. Personne ne voudrait mourir et retourner auprès d'Allah. Voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith. En résumé, on pourrait dire encore d'autres choses. On peut en tirer quelques leçons. Premièrement, donner une grande importance et une priorité aux actes obligatoires pour pouvoir justement se purifier et se corriger et espérer un jour être un allié et un bien-aimé d'Allah. Deuxièmement, multiplier les actes surérogatoires et ne pas se contenter seulement des actes obligatoires. Car premièrement, personne ne nous garantit que tous nos actes obligatoires ont été faits correctement. Même nous, si on se prend juge contre nous-mêmes, la moitié de nos actes, on les valide pas, si ce n'est plus. Allahu a'lam. Quand je dis valide, c'est pas la validité religieuse, c'est-à-dire acceptée auprès d'Allah. Fait d'une manière qui soit agréée par Allah et acceptée auprès d'Allah. Pas la validité plutôt. Donc, on a besoin de combler ces manquements-là. Et ils ne se comblent qu'avec les œuvres surérogatoires, en plus. Troisièmement, l'importance aussi d'aimer les gens qu'Allah aime. Car si Allah a aimé une personne, on voit en lui les signes des bienfaits d'Allah, alors on est obligé d'aimer pour Allah cette personne, subhanahu wa ta'ala. Comme on n'aime pas ce qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de la foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos poitrines. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علماً.